Je suis une grande malade. Mais qu'est-ce que tu veux? Des malades comme moi, on en trouve à l'appel, hein. Tiens, au cinéma, on en voit des héroïnes avec des amants plus jeunes. Puis alors au théâtre, c'est par dizaines. Mais quand ça t'arrive pour de vrai, c'est quand même autre chose, hein. Alors t'imagines, ça m'arrive à moi. Si on m'avait prédit. Bon, alors c'est vrai, il est tout fou. Mais moi aussi, je suis toute folle. Bon, il est mince, il est brun. Et alors, moi je suis rousse. Il est où le problème? Alors, d'accord, oui, d'accord. Il est jeune. Enfin, jeune. Exagérons rien, il est pas si jeune que ça. Si. Mais je vois bien que tu me regardes d'un air de dire, mais dis donc, quand elle va reprendre ses esprits, elle va tomber de haut, hein. Eh bien, je tomberai. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, au moins, j'aurais su ce que c'est que d'être en haut. Et d'être en haut, c'est fantastique. On est en l'air. Non, on est l'air. On plane. J'avoue, j'avais oublié. Mon premier amour, c'était... Enfin, c'est loin. Tellement loin que je ne saurais même pas te dire à quoi ça ressemblait. Alors que là, ça ressemble à... Ah oui, je fais du deltaplane. Au-dessus des montagnes, au-dessus des forêts, au-dessus des feux rouges. De là où je suis, tout me semble petit, hein, ridicule. Et de la position où je suis, je peux te dire que je me surprends déjà tellement moi-même que t'aurais bien du mal à me surprendre. Bah oui, je vois bien que tu me regardes d'un air de dire « mais elle a pas honte ». Bah si, j'ai honte. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu te retrouves un soir sans appétit devant tes carottes Vichy. C'est justement un soir où tu aurais besoin de quelque chose d'un peu épicé, tu vois, qui t'excite les papilles. Et... Bah, à ce moment-là, un ange passe et l'appétit revient miraculeusement. Et bah, tu vois, l'ange, moi, je l'attrape et je le bouffe tout cru, avec ses plumes. Alors oui, j'ai honte. Bah, tu vois, toute honte bue est bien bue,